Bonjour YouTube! Alors, aujourd'hui, ce sera un, un tutoriel tricot pour apprendre euh, de nouvelles bases. C'est-à-dire que ça ne sera pas avec deux aiguilles, mais plutôt quatre. Quatre aiguilles. Mais on en prend cinq parce que il euh, y en a une qui nous sert pour tricoter et les autres tiennent euh, votre laine tout simplement. Donc vous aurez besoin de 5 aiguilles double pointe. Alors là, ne me demandez pas euh, en commentaire la taille des aiguilles. Je ne sais absolument pas. Si quelqu'un a une idée, euh, s'il y a des tailles précises, je n'y connais rien. <laughs> je ne pas. Euh, voilà. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas la taille. Il n'y a rien de marqué. Et euh, de la laine. Donc, je vais vous apprendre comment monter des mailles euh, tout simplement sur des aiguilles sur plusieurs aiguilles. Donc là, je déroule un peu de fil parce que après comme ça, je serai tranquille. Voilà. Alors moi ce que je fais personnellement, pour que ce soit plus simple et que je ne m'emmêle pas les pinceaux, si ça peut aider certaines qui n'y arrivent pas forcément ou qui galèrent à monter leur maille, moi je prends une aiguille double pointe. Je prends ma laine par exemple, euh... alors on va mettre 10 mailles sur chaque aiguille. Donc il y en a 4, donc il vous faut 40 mailles. Alors, du coup, je monte mes mailles sur une aiguille double pointe, donc je monte mes 40 mailles. 2, 3, 4. Attendez, je recommence. Donc, je passe. Si vous voulez vraiment voir comment je monte mes mailles, je vous invite à aller voir euh, la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je recommence. 2, 3, 4. Je finis de monter mes mailles et je vous retrouve après pour vous montrer comment je vais faire. Parce que si je vous garde jusqu'à temps que j'ai fini, je pense que la vidéo va être un peu longue et ça va vous ennuyer. Donc à tout de suite. Donc j'ai mes 40 mailles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez voir que toutes mes 40 mailles sont sur mon aiguille double pointe. Donc sur une seule. Donc là, vous pouvez voir que c'est le fil. On va pousser les mailles de l'autre côté, pas jusqu'au bord pour ne pas perdre nos mailles. Voilà. Donc on pousse le côté où il y a le fil à l'opposé. Et comme ça, après, on va venir prendre une aiguille, une deuxième aiguille. Et là, on va venir prendre 10 mailles. Enfin non, pas 10 mailles, on va venir prendre toutes les mailles et on va en laisser que 10. Donc, on vient. On vient piquer à l'arrière alors excusez moi mais j'ai l'impression que ça fait pas le focus donc on vient piquer à l'arrière de la maille hop et on fait une on pousse doucement on vient piquer à l'arrière on en fait une deuxième deux trois et ainsi de suite et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre toutes mes mailles comme ça et je vais en laisser que 10 sur l'aiguille de gauche. J'en laisserai que 10. Je vais tout récupérer avec l'autre aiguille et après je vais continuer de répartir sur mes autres aiguilles. Donc je vous laisse regarder les images et je vous retrouve après. Et donc là, je viens compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je peux voir qu'il me reste des mailles à prendre. Donc je continue à avancer. Parce que là, je n'ai pas compté. J'ai fait un petit peu. Voilà. J'ai pris tant qu'il y en avait à prendre. Donc j'en prends quelques-unes encore. Et je vais venir recompter pour voir si je suis à 10. Donc là, je recompte parce que ça ne me paraît pas beaucoup. 2, 4, 6. 8, 10 et j'en prends une dernière parce que ça fait 11. Euh, là, hop. Donc là, je suis à 10 sur l'aiguille de gauche. Maintenant, je vais venir. Donc vous pouvez voir que ça fait ceci. Maintenant, les, toutes les mailles qui sont sur l'aiguille de droite, je vais pousser pareil. Je vais venir les pousser pour venir récupérer avec une autre aiguille. De nouveau. Donc j'en prends une autre et je continue l'opération. Mince. Une. Mince. Je vais y arriver. Deux. Trois. J'espère que vous avez bien compris. Et que la vidéo a été assez simple pour ceux et celles qui débutent dans le tricot et qui ne savent pas. qui n'arrivent pas à monter leur maille avec quatre aigus. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui montent leur maille sur toutes les aigus en même temps. Sauf que je trouve que c'est pas forcément facile pour quelqu'un qui. qui commence. Après chacun son choix, mais. Euh... Moi je fais comme ça et j'ai réparti après mes mailles correctement et je trouve que c'est bien plus facile. Et comme ça les aiguilles elles ne tombent pas, on tortille pas le fil, on n'a pas de soucis après quand on commence à tricoter. Enfin voilà. Donc là je vais continuer et je vous montre à la fin ce que ça donnera. Alors j'ai terminé. Donc comme je vous disais c'est pas facile parce que regardez. Ça, ça part dans tous les sens. Donc j'ai essayé, essayé de bien positionner pour vous montrer. Donc là, euh, ça fait ça à l'origine parce que du coup c'est pas accroché. Mais là, si je, si je lâche une main ou même un doigt, là tout part. Donc voilà ce que ça vous donne. Euh, c'est la façon comme ça. Donc ça vous fait un carré. Voilà, voilà comment faire. Et après, avec l'autre aiguille. On tricote, mais du coup je ferai une autre vidéo pour vous montrer, parce que là c'était juste pour vous montrer comment monter les mailles. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter cette vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.